Salut les amis, bienvenue à l'autonome. Ouais, on est content, il y a de la neige enfin. Bon, en tout cas, on en profite, hein, on continue les travaux hein, malgré le temps. Là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette partie-là, à cette pièce. Alors, je vous explique tout ce que j'ai à faire. Il faut que je casse cette cheminée. Donc, toute la cheminée là, il faut que je la casse. Il faut que je casse ce mur. Il faut que je décaisse, parce qu'il va falloir que je creuse aussi. Il faut que je casse. Ce qu'on appelait un potager, hein, c'est avant ils faisaient la cuisine là-dedans en fait. Voilà. Donc il faut que je casse ça et il faut que je retire cette partie-là qui est un évier en pierre, à voir comment il vient. Je vais déjà le nettoyer, à voir, parce que si je vois que c'est trop galère, peut-être que je le laisserai en place et puis je sais pas, on verra ce qu'on fera avec. Et voilà. Bon allez, je vais commencer par le potager. Alors ce que j'ai vu, ce qui est pas mal, parce que bon, j'ai pas à faire de la récup. Voilà, il a été monté avec des pierres qui sont tous la même taille. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir les utiliser. Parce que ici, attendez, hop, j'avance, je me pousse à la lumière parce que vous voyez quelque chose. En fait, ici, là, il va y avoir un escalier. Un escalier, mais qui va aller par là. En fait, il va être un peu creusé comme ça, il va monter. Voilà. Donc, je vais pouvoir récupérer les pierres et au moins comme ça, je pourrais faire les marches. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Allez, bah, je commence à tout retirer. J'essaie de les récupérer. Pourquoi? Parce que des petites tomates comme ça ou des briques réfractaires, c'est toujours utile. On ne sait pas. David a peut-être l'idée de faire un four à pain ou même, je ne sais pas, peut-être un poêle de masse. Je ne sais pas. Je laisse votre imagination deviner. Je pense qu'il n'y a pas que de la brique réfractaire, de la brique normale aussi, parce qu'il y en a que je retire, elle est un peu en miettes, quoi. Là, je pense qu'ils ont mis de la... Ah, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, quoi. Je vais vous dire qu'en ce moment, avec le froid qu'il fait, je dors bien le soir. Et y a pas de souci. Hein. Bon ben voilà, ça y est, j'ai tout retiré, hein, il n'y avait rien de d'exceptionnel. Au moins ça s'est dégagé. Bon, allez. Donc il nous reste encore à faire. Il y a ça a tombé. Il y a la cheminée à tomber. Et ça va être délicat parce que je ne sais pas si cette poutre-là, visiblement, repose que sur la cheminée. Donc il va falloir que j'étaye. Et par contre, celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si elles sont posées sur le mur ou sur la cheminée. Ça va être la surprise. Donc, il va falloir qu'on mette des étais. De toute façon, j'ai un copain qui va venir cet après-midi, là. Donc, il va venir me donner un coup de main. Hein, pas de chance. Et ouais, c'est exploitation à fond ici. Et ici, alors, je l'ai bien nettoyé. C'est l'ancien évier, en fait.
C'est l'ancien évier qui était dans la maison, hein, que je l'ai bien nettoyé. Alors, j'aimerais bien le laisser, le garder. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'en fait, l'escalier va arriver ici. Et donc, en fait, il va arriver au niveau où il y a la cheminée. Et j'ai peur, malheureusement, que ça soit gênant. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, déjà dans un premier temps, c'est on va retirer d'abord la cheminée. On va voir comment ça tombe avec la trémie et tout ça, et avec l'escalier. Si ça gêne, on le retirera. Si ça gêne pas, il restera là, je sais pas. On verra. En tout cas, voilà. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retirer les plaques et tout ça. Je vais commencer à retirer enfin, les différents trucs, les plaques, les tuiles qui sont en bas là, tout ce qui est tuiles, j'arrive pas à parler moi. Les tomates et les briques. Je vais commencer à les retirer. On va les sortir et après on verra pour retirer le reste. C'est parti. Bon voilà, j'ai un copain qui est venu là. Donc copain et abonné hein, en plus. Hein. Eh oui, bien Exactement. sûr. Voilà, donc il est venu donner un coup de main. À l'origine, on devait démonter la cheminée, mais la cheminée, à la limite, je pourrais le faire tout seul. Si on a le temps, on le fera après. Là, en fait, là, ce qu'on voudrait faire, c'est virer cette beau caillou, hein, ce très beau caillou d'ailleurs. On veut le sortir complètement parce qu'il va me faire chier, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on va commencer déjà par sortir toutes les pierres qui nous gênent tout autour. On va essayer de le soulever légèrement avec des barabines, et après, on va le tirer avec le tracteur, comme j'ai déjà fait. Et ça va bien se passer. Allez, hop, c'est parti! Ah, t'en chies, mon salaud, hein. Tiens. Ah Il croyait que c'était facile à l'autonome. Eh, du boulot, hein. Ah, il voulait apprendre. Bah, il va apprendre, hein. On va chercher une grosse barabine. Et chercher les clés du camion, je vais tout sortir. J'ai bougé le camion et j'ai ramené le tracteur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Tu sors cette pierre-là, toi? Allez, est-ce que vous voyez la bête là? Voilà. Bon, on va la bouger là. Donc on va utiliser les barabines déjà, essayer de la. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui est bien, c'est pour être simple, c'est que la chaîne est trop courte. Donc il va falloir qu'on la bascule. Bah, je sais pas si on va essayer de le faire. Hein. Pour pouvoir mettre. Putain, mais c'est pareil, une fois qu'on a passé la chaîne dessus, ça va être compliqué. Hein. On va pas pouvoir l'attacher. Allez, il faudra qu'on la pose. Bon, allez, c'est parti, hein. On va essayer de faire ça. On n'a pas vraiment de plan en fait. Hein. Ouais. Bon pavé, hein. Putain, je la voyais pas si grosse. On va utiliser une manille, hein, ça sera plus facile. On va essayer de la serrer au maximum. Je veux pas qu'elle se décroche, c'est déjà arrivé ça. Bon ben voilà, c'est une affaire qui roule. On s'est pas bousillé, c'est sorti tout seul. C'est nickel, je vais aller foutre dans le jardin là-bas et on verra ce qu'on en fera plus tard. Là on l'accroche et après hop, je tire. Je tire. Et yes! Une étape de plus à l'autonome.
Bon, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser la cheminée, donc on pousse les étais. Voilà, donc j'ai essayé de bien le faire. Voilà, non mais t'en fous, dès l'instant que c'est calé, après. Ouais, sinon je vais foirer ma vis. Donc on met les vis un peu en biais, ouais. De façon à que ça bouge pas en fait. Voilà. Et du coup là, Jocelyn, il va faire un, il va serrer bien l'étai. Alors, moi avant j'utilisais beaucoup le marteau, et c'est vrai que j'ai écouté Gilbert. Le problème d'utiliser le marteau, c'est qu'on déforme on déforme tout. Le mieux, c'est d'utiliser un pied de biche. Et après, on va venir comme ceci, et on va serrer. Et bah, c'est pour Allez. toi, cadeau. Allez. Et bah, maintenant, on va casser la bête. Bon, il va commencer à retirer toutes les briques au niveau de la poutre. On va voir comment sont les poutres. J'espère qu'elle n'est pas pourrie. C'est bien d'avoir un petit jeune pour lui apprendre le métier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, je vois le joueur. Ah, est-ce que tu vois est-ce que tu vois une sacoche avec des louis d'or? Non, pas encore. Parce que si tu en trouves, c'est 50-50. Je te le dis. Ah, c'est tombé à l'intérieur. Il se peut qu'il y ait des chauves-souris qui sortent aussi, j'ai oublié de te dire. Ah bon? Ouais, il y a des chauves-souris dans la cheminée? Ouais. Pas grave. Ah, tu vas prendre le couteau. Ouais, je m'en fous, moi. Ça, c'est pas une bonne surprise. Et tu peux pas faire des renforts? Ben, si, je pourrais faire un pilier, mais... Ah, ça fait chier, merde. Ça, c'est les surprises de la réno, tu vois. Bon, bah, mon petit Jocelyn est parti. Je vais pas faire tout de suite la cheminée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était surtout, j'ai vu que les poutres étaient un peu bouffées. Et du coup, il va falloir que je les coupe. Donc, comme j'ai pas vidé ce qui est au-dessus du plancher, je vais éviter d'y toucher. Bon, il faudra que je vide ce qui est au-dessus du plancher et après, je pourrai commencer à faire ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais abattre ce mur-là, le mur en terre, là, en terre paille. Eh ben, c'est pas mal, ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à piquer mes murs. Comme ça, je vais nettoyer et retirer cette espèce de couche d'enduit terre qu'ils ont fait par-dessus. Parce que moi, l'idée, c'est après, c'est de gratter. Bah, je vais gratter. En fait, je vais piquer les joints. Comme ça, au moins, déjà, je vais tout nettoyer. Comme il y a déjà de la merde par terre, de toute façon, comme ça, comme je dois nettoyer, de toute façon, tant qu'à faire, autant faire ça. Donc, je vais faire ça dans toute cette pièce-là. Voilà. Ça va me faire permettre de virer le plâtre, la terre et tout ce qui va pas. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va être beau ce mur-là quand il va être
comme être tendu et tout ça, ça va être nickel, franchement. Bon, là, c'est du béton. J'y arrive pas avec le petit marteau pneumatique. Mais je vais utiliser la Makita directement avec le marteau burineur, là. Ça va le faire. Bon, une fois avoir gratté le ciment, je vais retirer tous les joints à l'argile avec le marteau burineur. Pneumatique, c'est parti. Bon, allez, voilà. Donc, tout est gratté, nickel. Donc là, moi, j'en ai profité, j'ai tout nettoyé. Je vous ai épargné ça, hein, parce que franchement, il n'y a aucune technicité là-dedans. En tout cas, voilà, tout est nettoyé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer toutes les grosses pierres, là. Je vais les sortir complètement. Et après, on va venir avec la mini-pelle et on va venir tout gratter. Et histoire de descendre un peu plus bas en termes de profondeur. Bah, j'ai sorti la mini pelle, c'est parti! We'll be right back.
Souvent, quand vous voyez creuser comme ça, vous voyez que je garde les pierres. En fait, toutes les pierres, je les garde, je les entasse parce que ça va m'aider à remaçonner. C'est pour ça aussi que ça prend du temps, parce que si je devais évacuer la terre et les pierres en même temps, ça serait beaucoup plus facile. Et beaucoup moins long surtout. Bon, allez, je continue. Ah, c'est bien, après manger, c'est nickel. Manger une bonne pizza, là, c'est nickel. Je la sens remonter, là. Bon, les pierres sont vraiment trop grosses, et vu que j'ai mon pote qui est passé boire l'apéro, bah, je lui ai dit, bah écoute, viens m'aider. Et il s'est fait piéger. Allez, bah, on y va? Allez, parti. Non, attends. Va pas te blesser, Léon. Il est plein l'autre côté? Ouais, mais regarde. On va le basculer, non? Ouais, mais on va le soulever déjà avec la barabine. Et grosse pierre, moi je fais tout la barabine. Regarde, vas-y, tu peux la soulever maintenant. C'est bon? Attends, je vais mettre avec toi. Oh, enfoiré! Ouais, on va la redresser déjà. Tu vois, quand je t'ai dit que j'ai essayé tout ça, je l'ai mise dessus. Le problème, c'est que j'ai pas arrivé à basculer le chariot. C'est là qu'il va falloir que tu mettes. Là, tu vas avoir une voile. 1, 2, 3. Ah, c'est bon. Ah, attends, ah, ça m'emmène. Attends, c'est bon, pas dedans, oui. Tu veux des ronds? Putain, mais ça pèse un amour, ces pieds. Ouais. On a sorti celle avec. Ils étaient quoi au Moyen-Âge aussi, ceux-là là. Les pires que ça. Surtout, tu te dis comment ils ont fait pour les monter à cette hauteur-là, quoi. Non, mais je te jure. C'était costaud, les mecs. Bon. Et inventif surtout. Bon, allez. 1, 2, 3, go! Allez! Voilà, c'est bon. Allez. T'es sûr? Ouais. Bah, t'es sûr, hein? Tu m'aides à maintenir, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Non, elle ne partira pas. Tu passes par un constructeur maintenant, quoi. Là maintenant, elle est par terre. Comme on disait qu'avant, ils savaient pas monter des maisons. Enfin, ils savaient monter des maisons contrairement à maintenant, quoi. En tout cas, voilà, on en a chié. Merci, Léon. Avec plaisir. Parce que tout seul, si, après, j'aurais accroché la chaîne et je l'aurais tiré, mais bon, c'est plus sympa à deux. Allez, ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à évacuer la terre et ça sera bon. De toute façon, on va recreuser après plus profond. Hein. C'était vraiment pour nettoyer déjà, dans un premier temps. Bon, allez, je vais vider tout ça. Donc je vais démolir ça. Alors je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, au début, j'avais quand même l'idée de le garder. Mais en fait, c'est ici où je vais avoir mon futur radiateur. En fait, c'est ça le problème. Sachant que là, on va mettre de l'isolation, on va mettre au moins, on va dire, même si on mettait que 20 cm, de toute façon, en fait, ça ferait, à part faire un, enfin faire, comment on appelle ça,
Un pot thermique, c'est tout ce que ça aurait fait. Donc je vais décider de le virer. Et bah, je vais le démonter. Ça y est, c'est retiré enfin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter vu que j'ai les pierres qui sont à disposition. Je vais refaire un peu de chaud là et je vais rebâtir dedans. Comme ça, ça va permettre de renforcer cette partie-là. Vous voyez ici un peu là, et on voit que le mur elle a travaillé en fait. Hein. Donc l'idée, ça serait de rebâtir pour renforcer tout ça. Bon, allez, pour remaçonner, ce qu'on va faire. Déjà, ce que moi j'ai commencé à faire, ça se voit d'ailleurs. Hein, je l'ai pas montré, donc j'ai tout nettoyé tout ça. Et j'ai humidifié, donc là j'ai vraiment humidifié à grand eau, hein, grand eau, hein, avec un jet, parce que les pierres, un peu comme les briques, en fait ça absorbe vachement l'humidité, et ça aurait tendance à prendre toute l'eau du mortier en fait. Donc on mouille bien les pierres, et ça va aider à l'adhérence. Autre chose, là je vais utiliser un mortier à base de chaux. Alors j'avais fait une vidéo, alors je vous la mets là ou là, j'avais fait une vidéo dédiée à ça. En tout cas, je pars toujours sur le même principe, c'est un mélange qui marche bien. Moi, j'utilise de la chaux blanche de chez Lafarge, et j'utilise donc un seau de chaux pour trois seaux de sable plutôt. C'est toujours un ratio 1 pour 3. Et ben là, je vais commencer, je vais mettre les gants parce que la chaux ça brûle. Donc pareil, vous servez toujours d'une règle, si vous voulez faire des reprises sur les murs, ça vous permet vraiment de vous aligner, voilà. Et ça va me permettre de voir aussi par rapport au niveau du haut, là. Je vais pas se ressortir. Ouais, je vais mettre comme ça, en fait. Allez. Donc là, on va caler la pierre. Je vais choper des petites, là. Elle est rentrante là. Faut que je la remonte. Voilà, c'est bien là comme ça. Rappelez-vous que c'est pas le mortier hein, qui va tenir les pierres. C'est vraiment le croisement de toutes ces pierres. Hein. C'est pour ça qu'on les cale bien. Là, elle bouge encore. Il fallait pas que je rachète des grands sacs poubelles, par hasard? Comment? Des grands sacs poubelles? Ouais. T'en as plus? Non. Il fallait pas que j'en rachète? Si, je t'ai dit de le noter. Tu m'as dit de le noter? Ouais. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, regardez, je vais vous montrer cette mauvaise foi. Non, regardez cette tête. Ça sent vraiment la mauvaise foi, quoi. Je lui ai dit d'acheter des sacs poubelles, des grands sacs poubelles. Tu me l'as pas noté. Ouais, mais je t'ai dit de le noter. Je suis rentré, quand je te l'ai dit, j'étais tout dégueulasse. Ah, voilà, mauvaise foi. Bon, allez, bon, on continue, hein. Passer cette petite interlude. Hop.